Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui une nouvelle vidéo découverte. Et là franchement, quelle belle découverte, je ne connaissais absolument pas ce jeu. Un jeu de cow-boy avec des vaches. Franchement, fallait trouver, fallait le faire. Fallait oser, fallait le faire. Et je pense, alors j'ai pas essayé, je l'ai lancé comme ça, j'ai dit on va le faire en live là complet, enfin pas complètement en live, mais voilà, j'ai vraiment pas essayé du tout. Ce jeu doit être complètement, enfin j'espère en tout cas qu'il est complètement déjanté et que qu'il est complètement assumé surtout, parce que des fois il y a des bonnes idées qui sont faites et des fois les jeux sont pas terribles, terribles. Donc nous allons jouer aujourd'hui à Wild West Cowboys of Mu Mesa. Voilà, donc eh ben écoutez, on va mettre la petite pièce qui va bien et puis on va s'essayer à ce jeu. Allez, c'est parti. Donc alors, on a le choix. Ouais, alors là, on va essayer de faire vite fait, vite fait. Ouais, allez, on va prendre lui. Alors je découvre en même temps que vous, hein, on peut se baisser. D'accord. D'accord. Ok. Bon alors il n'y a que deux touches a priori. Ah on peut pas monter là-haut. Ah, d'accord. Je viens de perdre une vie je crois. D'accord, ok, donc press A et B. D'accord, ok. Bon, je pense que je dois pas tout le temps l'avoir, je pense. Eh ben vous savez quoi, franchement, j'aime beaucoup. Je connaissais mais alors absolument pas. Et franchement, je trouve ce jeu très très bien. Peut-être, ouais. Je sais pas. D'accord. Aïe 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 aïe. Aïe 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 allez! Ça serait vraiment dommage de finir comme ça là. Oui! Les bruitages sont pas mal non plus, franchement.
Ce jeu mériterait presque de faire une vidéo qui lui est dédiée pour essayer d'aller jusqu'au bout avec un nombre de crédits illimité, limite, pour vraiment vous emmener, enfin vous montrer tout ce qu'il a dans le ventre de ce jeu. Ça serait pas mal ça. Alors là, si j'ai bien compris, on peut choisir maintenant le niveau où on va. On va rester là, donc le niveau Niagara Désert. Allez hop, on va essayer. Et donc là, ça doit être la sale tête du boss de fin de ce niveau, je pense. Allez, c'est parti. Ouf! Ah, j'ai une sorte de protection. Ah, le poulet, le poulet! Ouh, d'accord, quand on appuie sur les deux touches... Aïe, aïe. Ok. D'accord, on peut pas... Ouais, help, help, oui, je sais, je sais, je sais. Dommage que la laisse de billets descende pas. Alors ce jeu est vraiment très sympa. C'est quoi ce bruit là? D'accord, on peut... Wow! Ah, ça y est. À la barre du boss qui arrive, donc j'espère battre ce deuxième boss, ça serait plutôt pas mal. Hein. Allez, c'est parti! Là, quand on voit que ça tourne comme ça, c'est que ça va tirer. Ah ah. Ah, dommage. Alors, est-ce qu'il me reste des vies? Ouais, c'est bon. Ces bombes sortent des narines du ballon en fait. D'accord. Normalement... Là, ouais, allez, c'est bientôt fini. Et ben c'est une affaire qui roule. Ça va, c'est pas franchement très punitif. Je suis pas... Ah mais attendez, c'est pas fini en fait. D'accord. Ouf. Oh.
D'accord, en fait, ça n'a rien à voir avec la première partie, en fait, ça fait comme s'il y avait deux boss. Là 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 là, quel dommage. Eh bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo découverte sur ce jeu magnifique, on peut le dire hein, quand même. C'est une belle belle découverte. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une super super découverte. Je pense que je vais y jouer un petit peu ce soir. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et surtout, partagez. Voilà. Et puis, laissez un petit commentaire dans l'espace commentaire si vous avez des questions à me poser. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!